Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette conférence « Ramener l'écologie à la maison, féminisme et écologie ». Le débat de ce soir s'inscrit dans un cycle « Habiter, lutter et rêver dans un monde en crise », cycle conçu par Émilie H. et Sylvie Astry, que je remercie toutes deux. Donc, le débat de ce soir sera animé par Lia Marcondes. Lia Marcondes est animatrice et programmatrice des Mardis de l'eau à l'Université populaire de l'eau et du développement durable du Val-de-Marne. Le débat fait l'objet d'une traduction en simultané en langue des signes par l'association CERAC et il est également retransmis en direct sur le site web de la BPI. Merci beaucoup. Alors, je remercie tous d'être venus. Je remercie la BPI d'organiser ce cycle. Et Émilie H. aussi de m'avoir invité à animer ce cycle de conférences. Je me suis permise de venir animer ce débat et de venir aussi avec mon université populaire à qui j'ai transmis l'invitation et j'ai même inclus cette conférence dans le cycle de cette université populaire qui se passe en Val-de-Marne. Et donc nous sommes aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est une fusion de deux institutions et de cycles de conférences hors mur des universités. Nous reprenons donc le fil d'une part qui est cette suite de conférences que Émilie H. a conçue, dont la première portait sur que peut la fiction face à la crise écologique. Et aujourd'hui, c'est la deuxième de ce cycle qui est ramener l'écologie à la maison, féminisme et écologie. Pour nous, dans le Val-de-Marne, c'est la troisième d'un cycle qui a commencé sur la justice environnementale, dont la première portée sur la mythologie environnementale de la colonisation, la deuxième sur comprendre le racisme environnemental, et celle-ci, la troisième, donc, où on se raccroche à la conférence de Émilie H. sur ramener l'écologie à la maison, féminisme et écologie. Je vais d'emblée présenter donc les deux conférencières. Je commence par Émilie, donc, qui est l'organisatrice et la conceptrice de ce cycle de la BPI. Émilie, donc, elle est philosophe, elle est maître de conférence à Nanterre. Elle a publié d'abord chez nous, dans notre collection de l'Université populaire, en 2010, quand elle est intervenue dans notre Université populaire, dans un petit collectif qui s'appelle Eau et Féminisme, mais elle a par la suite publié des livres qui portent tous sur l'écologie politique. On reviendra sur l'écologie politique, je pense, tout du long de cette conférence et tout au long de ce cycle organisé par Émilie et d'une autre organisée dans le Val-de-Marne. Et donc, c'est... publications les plus importantes, c'est Ce à quoi nous tenons, qui a été publié en 2010, et un collectif sur écologie politique, si je ne me trompe pas, Émilie, et elle travaille actuellement sur un collectif aussi du monde clos à l'univers fini et retour, et c'est cosmopolitique. Ce qui importe, c'est de savoir que Émilie H., aujourd'hui, dans l'univers de l'écologie, je pense que nous fait rentrer dans une réflexion sur la politisation de l'écologie, ce qui va être très important pour nous tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec elle aujourd'hui. Émilie s'intéresse actuellement à l'articulation entre l'écologie, le féminisme et la science-fiction. L'intervenante qu'Émilie nous a proposée donc, pour inviter ce soir, c'est Bénédicte Zitouni, qui est sociologue à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, qui travaille actuellement sur l'histoire des mouvements environnementalistes en Belgique, mais qui a travaillé sur les mouvements écoféministes en Californie, une recherche commencée, qui a démarré en Californie et qui continue actuellement. Et elle a beaucoup travaillé aussi sur l'écologie urbaine et publié des livres dans ce sens, dont Aggloméré à l'édition des Universités libres de Bruxelles. Voilà pour nos deux conférencières. Alors, notre débat de ce soir va porter donc sur deux politisations de deux mouvements qui en apparence ne devraient pas avoir de lien entre eux, on n'en avait pas,
la politisation des mouvements écologistes, la politisation des mouvements féministes, si tant est qu'il y a besoin de les politiser, et surtout l'articulation de ces deux mouvements dans ce qui s'est nommé et se nomme écoféminisme. Je voulais juste vous rappeler, pour ceux qui ont suivi notre cycle dans le Val-de-Marne, mais ça peut être utile pour tout le monde, que nous avons eu affaire à la question de la politisation du concept de nature. Dès la première conférence, nous nous sommes confrontés à une vision écologiste traditionnelle qui présente la nature comme un objet qui est en dehors de l'humanité et l'humanité comme un bloc qui est en dehors de la nature. Et que tous ces mouvements dont parle la justice environnementale sont des mouvements qui tendent au contraire à politiser ce concept de nature et sortir de cette vision essentialiste, si l'on peut dire, de la nature, naturalisante de la nature. J'espère qu'on aura de temps pour rentrer dans cette discussion. D'une part, donc, il est question de remettre en cause ce concept de la nature. Je voulais juste citer Émilie Hache dans un entretien qu'elle fait ici même à la BPI, qui dit que le concept de nature, excusez-moi, ça va paraître un petit peu raccourci dans la manière dont je vais vous dire, mais que le concept de la nature a plus souvent servi à discriminer et à classifier que vraiment protéger quelque chose. Dans le sens où on entendrait que protéger la nature est l'objectif de l'environnement, le concept de nature a servi aux théories racistes, a servi aux théories sexistes, c'est-à-dire définir les femmes comme étant plus proches de la nature, en deçà de l'humanité, et définir les peuples aussi considérés comme appartenant à notre race comme étant aussi plus proches de la nature, en deçà de l'humanité. Donc, il est à revoir, et tout ce dont on parle dans ces conférences de justice environnementale, qui d'ailleurs sera le thème de la prochaine conférence ici à BPI, qui aura lieu le 2 juin, les enjeux de la justice environnementale. Donc, tous les enjeux de ces mouvements, c'est de questionner cette dépolitisation de l'environnement, dépolitisation de la nature, et remettre en question le concept même de nature qui donc a servi à des théories racistes. Le racisme a été notre thème de notre conférence précédente qui a eu lieu à Créteil la semaine dernière. Et comme je disais, les théories racistes ont aussi servi à la justification du sexisme, c'est-à-dire sortir les femmes de l'humanité pour en faire quelque chose de plus proche de la nature. Et nous voilà avec des mouvements politiques où des femmes se mobilisent pour défendre la nature ou l'environnement ou pour critiquer certaines productions qui sont considérées comme nocives pour l'environnement. Et ces mouvements donc politiques de femmes qui se mobilisent pour la nature vont donc souffrir d'une double attaque et double incompréhension, en plus de rester complètement invisible en tant que mouvement politique. Le féminisme tout entier reste encore totalement invisible dans les mouvements sociaux et dans les actions sociales, et le mouvement écoféministe encore plus que les mouvements féministes simples. Mais on se retrouve avec une assignation pour les écoféministes, le risque et les critiques de revenir à des interprétations de la position des femmes dans la société comme étant une position par nature différente des hommes, ce qui s'appelle la théorie essentialiste. Donc l'écoféminisme va courir le risque et souffrir de cette accusation. Je pense que c'est ce à quoi va s'attaquer Émilie, de cette accusation, en voulant défendre la nature, court le risque de retomber dans une définition de femme comme étant plus proche de la nature. C'est chose du sens commun quand on parle en dehors du milieu féministe, quand on parle des mouvements de femmes qui défendent la nature, souvent on entendra « Ah ben c'est normal, les femmes sont la nature. Elles tiennent à la nature plus que les hommes, puisqu'elles sont la nature, elles sont
alors que les hommes ne le seraient pas. Cela est la théorie essentialiste. Hein. Peut-être que les deux conférencières donneront plus de détails sur ce que veut dire essentialisme. Mais je pense que ce qu'on tient à montrer ce soir, les deux conférencières, c'est, à proprement parler, la politisation et du féminisme et de l'écologie par ces mouvements écoféministes. Ou bien de la vacuité de ce débat qui est d'accuser les écoféministes d'être essentialistes. Sur ce, nous aurons un petit temps de débat après les deux présentations. Je vais passer la parole d'abord à Bénédicte qui va nous présenter les mouvements sociaux. Je vous rappelle que depuis la séance dernière dans le Val-de-Marne, il s'agit de mouvements sociaux qui sont venus apporter de la connaissance aux mouvements environnementaux, de la connaissance de l'expérience militante et de l'expérience de ceux qui subissent les discriminations et l'oppression. Et c'est de ça dont va nous parler Bénédicte. Et ensuite, je passerai la parole à Émilie qui, elle, fait une analyse de la réception de ces mouvements écoféministes. Alors moi, bonsoir tout d'abord. Moi, j'aimerais bien vous parler de deux actions dont on dit qu'elles ont lancé l'écoféminisme en Angleterre et aux États-Unis au début des années 80. Et la première action, c'est celle qu'on appelle la Pentagon Action, ou action du Pentagone, menée en 1981 et puis réitérée en 1981. La deuxième action, donc je vais vous montrer quand même deux ou trois photos, c'est celle-là. La deuxième action, on l'appelle celle de Greenham Common, qui est un camp de femmes et de paix qui a débuté en 1981 et qui a perduré jusqu'en 2000, même si la période la plus active va de 81 à 87, près de la base militaire de Newbury en Angleterre. Les deux actions ont été initiées par des groupes de femmes qui s'appelaient Women and ou for Life on Earth. Ça dépendait si on se trouvait aux États-Unis ou en Angleterre. Les deux groupes se sont créés indépendamment l'un de l'autre. Une action a plutôt réagi à la catastrophe de Three Mile Islands en 1979. L'autre action était une réaction à la controverse sur l'énergie nucléaire, sur la campagne lancée par le gouvernement anglais pour préparer les populations à une éventuelle guerre nucléaire et aussi la controverse qui était née autour de l'arrivée des missiles, d'un nouveau type de missile nucléaire en Angleterre. Donc c'est ça qui a déclenché l'action du côté anglais. Mais très vite, les deux réseaux, les deux groupes se sont côtoyés et très vite, les participantes de ces actions ont dit « mais finalement, nous revendiquons l'écoféminisme », même si leur nom est autre. Alors qu'est-ce que l'écoféminisme en quelques mots quand même ? C'est un mouvement qui part du constat suivant. Les ravages actuels sont provoqués ou sont le fait du capitalisme et du scientisme, qui tous deux ont dévitalisé, rendu passif, rendu disponible à la production et à la reproduction, tant les femmes que la nature, tant les corps de femmes que les corps de la nature. Et un classique qui établit assez bien cette thèse, qui a été publiée en 1979, c'est « The Death of Nature » de Caroline Merchant, si jamais ça vous intéresse. Alors le féminisme ici est entendu comme une revendication de la non-violence, une revendication aussi, une remise en question plus généralement de tout ce qui est les structures de pouvoir. Et l'écologie est plutôt entendue comme la revendication de modes de production et de reproduction qui ne suivraient plus une ligne toute tracée par la machine capitaliste et productiviste. En gros, c'est là-dedans qu'on se trouve. Et dans la jonction, ce que ces femmes vont revendiquer, c'est une régénération des écosystèmes, régénération des terres, une réhabilitation des communautés et aussi une récupération, au fait, de tous ces laissés pour compte par le capitalisme et le scientisme, donc récupération de l'action et de la capacité d'agir des êtres vivants, tous azimuts.
Donc, de fait, l'écoféminisme établit une alliance entre les femmes et la nature, entre les femmes et les non-humains, et de façon plus générale, elles vont parler de toutes les minorités trans-espèces qui doivent s'allier pour faire face à la machine productiviste qui détruit tant de choses dans son passage. L'idée est de faire renaître donc un monde vivable et qu'il faut travailler sur tous les fronts à la fois pour y arriver. Ça, c'est une idée assez présente. Alors, si vous voulez en savoir plus de ce côté-là, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil sur ce site-ci qui, depuis quelques années, s'étaye de plus en plus, Women for Life on Earth. Maintenant, revenons-en aux deux actions. Donc, pourquoi je voudrais vous en parler ? Parce que les femmes qui y ont pris part ont, à travers ces actions, réussi à faire une chose que je trouve assez remarquable, qui est de se, bon, j'appelle ça décoloniser les esprits, hein, puisque les théories coloniales ne sont pas loin, mais bon, on pourrait aussi dire qu'elles se sont désapos. Calyptiser le corps et l'esprit, c'est-à-dire que là où elle pensait que tout était joué, que la destruction allait se faire même dans leur vie à elles, ben, petit à petit, elles ont commencé à nouveau à agir et à prendre du plaisir dans l'action politique. Donc, elle parle elle-même d'une retrouvaille, de retrouver la joie, qu'on peut définir ici comme la puissance d'agir, que rêvait toute action politique. Alors, avant de passer aux actions, je voudrais juste épingler trois éléments qui me semblent assez importants et qu'on trouve à travers toutes les actions, et notamment les deux que je vais vous présenter ici. Premièrement, et ce qui m'a frappé quand j'étais dans les archives et que je lisais leurs correspondances et les pamphlets, etc., premièrement, c'est un rapport au temps assez particulier. Donc, même si elles disent qu'il y a une catastrophe, que la destruction totale n'est pas très loin, que la destruction, quelque part, est déjà en cours, ces femmes mettent l'accent, ou ont réussi à mettre l'accent, sur l'histoire en train de se faire. Les dés ne sont pas déjà jetés, et à y réfléchir, disent-elles, les dés ne seront jamais jetés. Même si la catastrophe a lieu, la question est encore toujours comment vivons-nous, comment allons-nous réhabiliter tous ces espaces qui ont été détruits. Il s'agit donc d'agir dans la catastrophe. En fait, la catastrophe a déjà lieu. Il s'agit non pas de se préparer à la catastrophe, ni de préparer l'après-catastrophe. Il n'y a absolument plus d'au-delà dans leur action, puisqu'elles sont persuadées qu'elles sont en train d'infléchir le cours des événements, que l'avenir se crée ici et maintenant à travers toutes les actions politiques qu'on peut mener. Deuxième élément, le groupe d'affinité. Les deux actions que je vais vous présenter ici se sont construites à travers les groupes d'affinité. Des groupes d'affinité, c'est en gros un groupe de voisins, d'amis, de connaissances qui se rencontrent de façon assez régulière pour parler de leurs désirs et de leurs envies politiques et surtout pour préparer des actions politiques à venir. Donc pour préparer aussi leur participation à des manifs ou à des occupations ou à d'autres actions politiques qui seraient envisagées par des coupoles plus larges, disons. Donc, le groupe d'affinité est là pour préparer l'action, mais aussi pour porter les conséquences de l'action, et on y reviendra. Troisième élément, c'est l'importance du rite, l'importance de l'artefact, et vous allez le voir dans ces actions, il y aura des poupées, des déesses, des processions, il y aura des chants, odes à la vie, et ce genre de choses, et souvent, les commentateurs ont dit, mais finalement, l'écoféminisme amène des actions politiques très symboliques. On parle de symboles. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas vraiment de symboles, mais qu'on est beaucoup plus proche de quelque chose qu'on pourrait appeler des mécanismes de dépassement et donc aussi des techniques de résistance. C'est-à-dire la scansion du rite, la présence de l'artefact permet à ces femmes de se dépasser, permet à ces femmes de se projeter et aussi de prendre du plaisir à l'action et de ce fait aussi de résister à la violence des forces de l'ordre
et surtout, et ça c'est un point qu'elles disent, sur lequel elles reviennent souvent, de résister au découragement, de résister au burn-out du militant. Voilà, alors passons à la première action, l'action du Pentagone ou Action Pentagone. Il n'y a plus beaucoup de traces de cette action, mais il y en a une qui est vraiment très très intéressante. C'est un article écrit par deux militants dans un journal féministe, Off Our Backs. Et cet article est assez intéressant parce que les deux femmes se posent des questions et dès lors elles font un compte-rendu très détaillé de l'action parce qu'elles-mêmes ne savent pas quoi en penser. Elles-mêmes se disent mais finalement c'est une action très originale, mais d'un autre côté est-ce vraiment de cela qu'on a besoin aujourd'hui? Alors à vous d'en juger, je vais vous raconter l'histoire et puis on verra bien ce que vous en pensez. Lundi matin, 17 novembre 1980, 2000 femmes se dirigent vers le Pentagone. Elles portent quatre mascottes qui ressemblent à des énormes poupées de carnaval. La plupart d'entre elles est déguisée et maquillée. Par ailleurs, il y en a plusieurs qui ont des instruments de percussion qu'elles n'utiliseront qu'à des moments très précis de la manifestation, qui, aux yeux des deux militantes slash journalistes qui observent le tout, ressemble finalement à une énorme pièce de théâtre. En outre, plusieurs femmes sont munies de fils de laine avec lesquels elles tissent des énormes toiles d'araignées devant les portes du Pentagone. Et c'est la première image qu'on avait vue. Alors, mais ne devançons pas les événements et revenons en arrière. Avant tout cela, disent les deux journalistes, les femmes s'étaient rendues au cimetière militaire d'Arlington, à deux pas de là, qu'elles avaient parcouru en silence. Elles n'avaient rien dit, rien scandé. Puis, à leur arrivée au Pentagone, avant même de s'attaquer aux portes et aux bâtiments même, elles avaient érigé leur propre cimetière, afin de compléter celui qu'elles venaient de visiter. Et donc là, vous voyez des images de ce cimetière. Des femmes venues des quatre coins des États-Unis avaient déposé donc des pierres tombales pour toutes celles qui sont mortes de cette machine de guerre, disent-elles, de cette machine de productivisme qui, aux mains des hommes qui mènent les affaires du monde, ne sème que terreur, destruction, ne sème que la mort. Alors ça, nous le savons parce qu'elles le déclarons à la fin de la manifestation. Donc à nouveau, n'allons pas trop vite. Ces femmes déposent donc des pierres tombales, et ce pour des femmes comme Karen Silkwood, qui est une biologiste qui est décédée lorsqu'elle allait vers une interview pour dénoncer les abus faits par son entreprise pétrochimique. Mais aussi pour des femmes comme Anne Frank ou Marilyn Monroe ou les femmes de Love Canal et d'autres encore, puisque je n'ai pas tous les noms ici. Il y a aussi cette femme mère de famille qui n'a jamais participé à une action politique, mais qui s'est rendue seule de la Californie à Washington avec un seul écriteau qu'elle vient déposer dans ce cimetière. Et l'écriteau dit... la pierre est là en honneur de, et je cite, des trois femmes tuées par mon fils au Vietnam. Donc, après avoir déposé toutes les pierres, les femmes se laissent guider par leur première poupée, qui est la poupée du deuil, et qui est celle-là. Alors, je ne suis pas sûre exactement de ce qui se passe là, mais certains témoignages disent qu'elles gémissent, qu'elles pleurent leur mort. Et donc, c'est le premier moment où elles rompent vraiment le silence. Et pour le reste, il n'y aura plus de silence. Donc là, elles passent au Pentagone même et elles vont se laisser guider par les trois autres poupées qu'elles ont amenées. La première poupée est rouge et elle exprime la rage. « Nous sommes en colère », disent-elles. « We are angry ». Et leurs chants, disent les deux journalistes, sont « eerie », étranges, inquiétants. Elles hurlent aussi, et donc là, on se trouve ici, elles hurlent aussi, elles sortent leurs instruments de percussion et font un boucan terrible. Puis vient une autre poupée, c'est la poupée de l'empowerment ou de la capacitation,
qui distribue des écharpes et des étoffes de toutes les couleurs, après quoi les femmes avec ces écharpes vont encercler l'entièreté du Pentagone. Parmi elles, il y a des sorcières, donc des femmes qui se présentent comme sorcières et qui se disent descendantes des sorcières et qui vont maudire le Pentagone et lui jeter un sort. « Si nous pouvons fissurer ces murs, disent-elles, tout le système s'effondrera. » If we can crack the walls of the Pentagon, the whole system will crack. Elle ne cesse de répéter ça. À ce stade-là, donc, encerclant le Pentagone, les petits groupes, donc c'est ces petits groupes d'affinités, vont commencer tous à scander « Take the toys away from the boys », enlever donc les jouets des mains des garçons, tandis que des messagères parcourent l'entièreté du cercle pour tenir tout le monde au courant de l'exploit qui est en train de se faire, donc pour mettre tout le monde au courant. Puis vient finalement la dernière étape. Donc l'idée était de cadenasser le Pentagone. C'est un peu dans cette idée-là qu'elle jouait. Et puis vient la dernière étape. Les femmes sortent la poupée du défi ou de la résistance, defiance, et avec leur groupe d'affinité, elles se rendent vers les portes du Pentagone, où là, elles vont lire leur déclaration d'unité. Donc ici, on a quelques photos de l'encerclement. Et ça, c'est le Unity Statement. Et je vais vous lire juste le début. Donc, pour nous, nous nous rassemblons au Pentagone ce 19 novembre, car nous avons peur pour nos vies, peur pour la vie de cette planète, notre Terre, et pour la vie des enfants qui sont notre avenir humain. Nous sommes des femmes qui viennent pour la plupart du nord-est des États-Unis. Nous sommes des femmes de la ville qui connaissons la dévastation et la peur qui règnent dans les rues, des femmes de la campagne qui pleurent la perte de la ferme, de la petite ferme, et qui vivent sur des terres empoisonnées. Nous sommes jeunes, vieilles, mariées, célibataires et lesbiennes. Nous vivons dans des familles, des dortoirs et certaines parmi nous sont des mères seules. Nous avons des boulots variés, nous sommes enseignantes, ouvrières, employées, avocates, fermières, etc. Nous sommes toutes des filles et des sœurs. Nous sommes ici, nous sommes venues ici pour pleurer nos morts et pour hurler notre rage et pour défier le Pentagone parce qu'il est le lieu où s'opère le pouvoir impérialiste qui nous menace toutes. Chaque jour, tandis que nous travaillons, étudions, aimons, les colonels et les généraux qui planifient notre annihilation sortent et rentrent tranquillement de ces portes. Nous sommes entre les mains d'hommes dont le pouvoir et la richesse les ont séparés non seulement de la réalité quotidienne, mais aussi de l'imagination. Nous avons bien raison d'avoir peur. Alors, et ça continue. Après ça, elles vont tisser les grandes toiles, la police va intervenir et il y a une centaine de femmes qui se trouveront en prison pendant plusieurs jours. Ça, c'est la fin de l'action. Un an plus tard, les Européennes vont débarquer également et elles vont doubler le nombre et seront à 4000 à ce moment-là. Alors, je pourrais évidemment commenter dans tous les sens. On peut parler des coalitions inattendues qui ont eu lieu là, la multiplicité des problèmes qui sont abordés par ces femmes dans la déclaration, aussi le caractère très immanent et très corporel de l'action. Ça, c'est présent à travers toutes les actions écoféministes. Et aussi, on pourrait parler de la façon dont elle prépare ce type d'action, mais je laisse tout ça pour la discussion, on y reviendra peut-être. Alors, maintenant, je passe à Greenham Common, et là, je vais m'y prendre autrement, parce qu'on a vraiment des superbes photos qui ont été déposées par des participants de Greenham Common suite à un appel lancé par le Glamorgan Archives à Cardiff. Et donc, on va passer en revue ces photos, et puis je vais juste donner quelques commentaires. Tout a commencé par une longue marche organisée par quelques femmes d'un village près de Cardiff en août 1981. Certaines de ces femmes étaient féministes, mais pas toutes. Certaines étaient écologistes, mais pas toutes. Et toutes disent que ce qui les rassemblait, c'était qu'elles en avaient marre. Elles en avaient ras-le-bol. Elles disent même avoir pété un plomb et juste décidé de marcher et d'aller vers une de ces bases nucléaires parce qu'il y en avait marre. Bon,
Elles y vont. Comme vous le voyez, elles ne sont pas du tout nombreuses. Elles sont une trentaine. Il y a des enfants, il y a des adolescentes aussi. Et en bout de compte, ce qu'elles vont dire, c'est qu'elles se sont bien amusées. Voilà. Bon. Ça, c'est le point de départ de Greenham Common. Alors, comme vous le verrez également, avec la dernière photo de cette série, elles se sont finalement installées près de la base. Elles ont dormi près des grilles de la base. Alors l'histoire est assez intéressante là, parce qu'elles n'avaient pas du tout prévu de rester là, ne fût-ce même que de dormir une nuit à la base, mais elles étaient énervées, elles étaient offusquées aussi que les autorités ne leur prêtent absolument pas attention. Donc au moment où elles apprennent que personne ne les attend à la base, même si elles avaient annoncé qu'elles voulaient rendre une lettre aux autorités, elles sont énervées, elles disent « on va faire comme les suffragettes et on va s'enchaîner aux grilles ». Donc elles s'enchaînent et les autorités, minimisant complètement l'affaire, n'ont pas réagi. Petit à petit, ces femmes se disent que ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée et tout compte fait, on resterait bien. Et elles restent, et elles sont restées 19 ans. Donc, mauvais calcul de la part du commandant. Alors, elles ont occupé les lieux pendant donc des années, et là on a des très très belles photos de l'occupation, donc des centaines, si pas des milliers de femmes ont été impliquées dans cette action. Elles viennent de tous bords, elles viennent de tout âge, elles se sont relayées dans l'action afin d'occuper donc le périmètre de la base. Pour un jour, pour un week-end, pour des vacances, pour quelques mois, tout était possible tant qu'on y passait du temps et qu'on occupait les lieux. Dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles d'ailleurs, puisqu'il y a eu de nombreuses évictions et souvent très brutales. Donc à un certain moment, on verra une photo, notamment celle-ci, et on voit qu'elles ne pouvaient même plus mettre des tentes. Et donc chaque nuit, elles étaient évincées. Chaque matin, elles revenaient. Elles n'avaient que le droit de se construire elles-mêmes des tentes, comme vous le voyez là. Alors, même dans ces conditions-là, elles ont occupé les lieux et elles ont agi. Elles ont mené énormément d'actions de toutes sortes. Elles pénétraient dans la propriété, donc du trespassing. Elles faisaient obstacle ou des... ça, c'est une photo très drôle, je trouve. Elles faisaient obstacle, elles obstruaient les entrées, elles faisaient des blocades. Elles organisaient ce qu'elles appelaient des die-in. Elles organisaient aussi des marches, et donc ça pouvait se faire en petits groupes, et des performances aussi. Et elles ont aussi mené énormément de rites païens, et là, au nom de la descendance avec les sorcières, mais aussi il y a le néopaganisme en général. Alors, je vais vous montrer juste une... voilà, ceci... pour vous donner quand même une idée, un rite païen concerne le magnifique dragon de la terre. Alors, je vous lis le début du pamphlet qui invite à participer à l'action. Il était une fois un dragon, le magnifique dragon de la terre. Depuis le début des temps, il errait sur la terre pour protéger la terre. Mais les hommes ont commencé à détruire la terre. Lentement, le dragon de la terre devenait invisible aux hommes. Il n'y avait plus de protection. Elle n'est plus visible que dans nos imaginations. Nous allons aujourd'hui la rematérialiser. Et puis il y a tout un rite autour de ça pendant plusieurs jours. Elles ont également décoré les grilles, fabriqué des bannières et j'en passe. On peut encore en montrer trois. Donc voilà. Tout ça pour dire que le champ était laissé libre. On occupait les lieux et les groupes d'affinités pouvaient lancer des initiatives. Et il n'y avait que quelques actions qui étaient vraiment menées à des échelles plus larges et de façon plus structurée. Il y a deux actions, et c'est avec ça que je vais terminer, deux actions qui sont vraiment restées dans les annales des luttes anglaises. La première, et toutes deux d'ailleurs, ont eu lieu pendant l'hiver de 82-83. La première s'appelle « Embrace the base », donc « embrassons ou encerclons la base ». Là, 30 000 femmes venues du Royaume-Uni et de l'étranger ont encerclé la base sur une distance de 14 km. Elles ont décoré la grille avec les affaires des vivants, comme elles disaient, des enfants ou d'autres êtres qu'elles voulaient honorer et qui, pour elles, disaient la puissance de la vie qu'elles voulaient amener là
dans le lieu de mort. Puis elles se sont tenues la main et ont chanté une série de chansons qu'elles avaient apprises par cœur à l'avance. Elles connaissaient très bien tous les actes de la performance. Et toutes disent que ça a été un moment exceptionnel pour tous les témoignages qu'on a récoltés après coup. L'autre action qui a marqué les esprits et qui a été, elle aussi, fort médiatisée est celle qu'on appelle la silo dance ou la danse sur le silo. Et donc là, on est au réveillon 82-83, à minuit. 44 femmes ont pénétré la base, elles ont grimpé sur la butte qui contenait les têtes nucléaires. Donc on se trouve vraiment sur la butte en dessous desquelles il y avait le nucléaire, pour ainsi dire. Et elles se sont d'abord recueillies, puis elles ont pris la mesure du lieu et de l'avenir que contenait ce silo, et puis elles ont réclamé cet avenir en dansant et en chantant. Et comme la presse avait été invitée, elles ne sont pas bêtes, on a plein d'images, la presse a fort médiatisé les choses. Comme elles n'avaient pas averti la police, ben, eux, ils ont tardé à arriver, donc elles ont eu pleinement le temps de faire leur rituel. Alors pour conclure, ce petit mot, ce serait une erreur, je crois, en tout cas c'est ce que je voudrais vraiment faire passer ici, ce serait une erreur de dire que ce type d'action, finalement, c'est des actions symboliques qui ne changent rien au cours des événements. Ce type d'action n'affecterait pas le cours des événements. Les femmes de Greenham Common ont réussi à faire plusieurs choses, je les énumère très très vite, ces réussites. Premièrement, elles ont réussi à récupérer les terres de la base. Toutes ces terres maintenant ne sont plus propriété de la base militaire, ni même de l'armée ou de la RAF. Elles sont à nouveau terres communes, non pas seulement terres publiques, mais terres communes. Ce n'est pas rien. Deuxièmement, elles disent elles-mêmes, et il y a un site d'archivage qui est vraiment intéressant, yourgreenham.com, elles disent elles-mêmes, nous avons réussi à être une nuisance. Et une nuisance, ce n'est pas rien. We'll make fuss, 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 and even more fuss. Pour leur gouvernement qui pensait faire les choses tranquillement et qui, vraiment, Thatcher l'a dit à plusieurs reprises, les Greenham Common, it's a pain. Donc, elles ont réussi ça. Pour elles, c'était important. Et elles ont aussi jeté le trouble dans les relations avec les alliés, notamment l'Union soviétique, où elles ont été à plusieurs reprises. Puis, on peut dire, et pour moi, c'est à la limite encore une des plus grandes réussites, pour toutes celles qui ont participé, Greenham Common a vraiment signifié une décolonisation des esprits et disent vraiment avoir appris à nouveau à agir et à y croire, ce qui n'est pas une mince réussite dans les temps qui courent. Donc voilà, ça c'était pour les deux actions. Merci beaucoup Bénédicte, je pense qu'on peut applaudir si... On remercie de la quantité de détails et de faire connaître. Donc voilà un moment historique où ces actions deviennent un petit peu plus connues alors qu'elles passent inaperçues. De cela même qui étudie les mouvements politiques et les mouvements écologistes et les mouvements féministes. Et donc Bénédicte rend un fier service au féminisme de nous faire part de sa recherche et d'avoir recherché avec autant de précision des choses très concrètes qui ont réellement eu lieu. Et je vais laisser donc Émilie H. commenter et faire sa vision, elle, de l'écoféminisme. Alors, ça sera, bonsoir, c'est certainement ma vision à moi, mais en fait, l'enjeu de cette séance ce soir, c'est exactement ce qui vient de se passer. À savoir que, pour un certain nombre d'entre vous, j'imagine, vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, écoféminisme, et la façon dont on le connaît souvent en France, ou on le connaît mal plutôt, c'est à travers énormément de critiques, voire de rejets, qui viennent d'une grande littérature académique. Mais il me semble, peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance en tout cas, les mouvements antimilitaristes américains et anglais dont Bénédicte Stouni vient de parler, au sein desquels l'écoféminisme a émergé, est extrêmement peu connu. Et en tout cas, s'ils sont peut-être connus, on sait qu'il y a eu des mouvements anti-nucléaires dans les années 80 aux États-Unis ou en Angleterre, on ne les rattache pas
nécessairement à l'écoféminisme. Et ce qu'on s'était dit en préparant cette séance, c'était peut-être que la meilleure des façons, contrairement à ce qu'on fait peut-être d'habitude en France, mais la meilleure des façons de rentrer dans l'écoféminisme, c'était d'abord de parler de ce dont il s'agissait dans un premier temps, c'est-à-dire un mouvement politique. C'est à la fois et de manière absolument indissociablement lié un courant d'idées et un mouvement politique ou des mouvements politiques, un activisme politique. Et les détacher, comme on a très régulièrement tendance à le faire, et j'ai pu y participer parfois aussi, quand on présente l'écoféminisme, me semble finalement couper l'écoféminisme d'un de ses pieds, voire plus que ça, puisque ça, en tout cas, il me semble que ça peut expliquer une partie des incompréhensions, des mécompréhensions, qui sont liées à ce à la fois courant d'idées et ce mouvement politique. Donc ce que moi je me propose de faire dans un second temps, j'ai pas le bon rôle, mais c'est pas grave, j'espère que j'essaierai d'être un petit peu claire quand même. C'est de revenir finalement sur ces différentes critiques, il n'y en a pas 20 000, mais il y en a quelques-unes sur lesquelles on bute toujours, qui font partie de la discussion. Il ne s'agit pas ici de vous donner la vérité vraie sur ces différentes critiques, mais de les relire à l'aune du mouvement auquel appartient l'écoféminisme pour pouvoir peut-être alors un petit peu plus complexifier et enrichir la façon même dont on peut discuter de cet écoféminisme. Bénédicte l'a dit en passant, si on veut, mais elle l'a signalé. À un moment donné, vous avez entendu parler, par exemple, de sorcières. Il se trouve que ce qu'on entend par écoféminisme, et ça, je parle toujours là, je parle vraiment de ce dont, enfin, je me réfère au mouvement auquel Bénédicte sur lequel elle vous a présenté, pardon. Eh bien, cet écoféminisme, en fait, est, on va dire très largement, se compose très largement, on pourrait dire, de deux courants, effectivement, et qu'on présente de cette façon-là, d'ailleurs, à savoir, on va dire, un courant que l'on va appeler, je vais revenir dessus, néo-païen, et puis un courant athée, voilà, matérialiste, enfin, selon les textes, le vocabulaire change, mais enfin, bon, il y a un courant qui a un rapport avec la religion, à une religion très particulière, et puis il y en a un qui ne l'est pas. Mais de fait, ce n'est pas deux mouvements, je ne vous parle pas de deux époques différentes, de deux espaces-temps différents, je vous parle de deux courants, de deux sensibilités même quasi politiques, au sein même de ces mobilisations dont Bénédicte a engagé. Or, il se trouve aussi que, comment dire, peut-être qu'une façon de le comprendre avant même de s'arrêter un petit peu plus longuement sur ce néopaganisme, que la façon dont on pourrait le comprendre pour essayer de faire un premier pas du côté des États-Unis, pour nous qui sommes un pays viscéralement laïque et pour qui c'est très compliqué de comprendre cela, il me semble que la meilleure façon, peut-être dans un premier temps déjà, de pouvoir rester, on va dire, ouvert à une partie en tout cas du courant néo-païen de l'écoféminisme, que l'on a souvent tendance à considérer comme l'essentiel de l'écoféminisme et à cause duquel, en général, on va rejeter l'écoféminisme, c'est quand même de ne pas oublier que ce courant-là, néo-païen, s'inscrit, on pourrait dire, dans toute une tradition américaine de mouvements de libération qui se sont enracinés dans la spiritualité. Ce n'est pas du tout le seul, c'est un parmi d'autres. Évidemment, vous pensez aux Quakers, vous pouvez penser aussi au mouvement des droits civiques qui ont été très largement ancrés dans l'Église noire, ou encore aux traditions spirituelles des Indiens américains. Mais déjà, je pense que ça change un tout petit peu la donne que de se rappeler que, bon, déjà, ce n'est pas l'ensemble de l'écoféministe, c'est faux. Et par ailleurs, c'est, voilà, dans ces mouvements-là, Bénédicte ne l'a pas dit, parce que ce n'était pas, pas un des points intéressants de ce dont elle parlait, mais il n'y avait pas non plus que des néo-païennes, il y avait beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, notamment aux États-Unis. Mais voilà, c'est une sensibilité parmi d'autres. Pour nous, c'est impensable, ou ça, c'est encore en partie impensable, mais pour les États-Unis, c'est tout à fait différent. Il me semble que ça remet peut-être un peu, dans un premier temps, les choses à leur place. La deuxième chose aussi que je voulais dire pour commencer, c'était que, j'y reviendrai après, mais que lorsque vous allez lire les textes des écoféministes qui ont participé à ces mouvements, très important, pas celles qui ont écrit après coup, qui n'y ont pas participé, mais celles qui ont vraiment participé, qu'elles soient d'ailleurs néo-païennes ou qu'elles soient tout à fait matérialistes, athées, etc., vous trouvez, à ma connaissance encore, mais
de ce que j'ai, en tout cas j'en ai lu, très peu de critiques des unes vis-à-vis des autres. Notamment sur ce point, encore une fois, lié à la religion. À savoir qu'apparemment, ce qui peut être pour nous, en tout cas dans notre réception de l'écoféminisme, a été quasiment un point de rupture dont on a encore du mal à sortir aujourd'hui, ne serait-ce que pour discuter, on peut après ne pas être d'accord, mais ne serait-ce que pour discuter, pour les écoféministes et l'ensemble des écoféministes qui faisaient partie de ces mouvements-là, c'était des sensibilités différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des fois aussi pas d'énervement, d'agacement, de désaccord, etc. Mais ce n'était pas un point de partage radical et avec une fin de non-recevoir. Et de fait, ce que je voudrais faire, en fait, je vous ai dit, c'était de revenir sur certaines des critiques qui ont été adressées à l'écoféministe. Et je voudrais y revenir à partir d'une définition, qui pour moi est une définition un peu programme, qui a été formulée par l'une d'entre elles, et même par l'une d'entre elles qui est vraiment à l'origine des Women's Pentagon Action dont vous a parlé Bénédicte, qui s'appelle Inestra King, qui propose une définition de l'écoféminisme, donc tant qu'à faire, autant aller se référer à celles qui connaissent un petit peu de ce dont il s'agit, et qui la propose dans un texte qui est peut-être, on pourrait dire, le premier texte, qui date de 83, qui cherche à théoriser, à définir l'écoféminisme. Et c'est on pourrait considérer que c'est vraiment le premier texte, encore une fois à ma connaissance, mais voilà, de théorie politique. C'est une sociologue, je crois, Inestra King, qui propose une définition et dans laquelle cette dernière cherche justement à articuler, au lieu d'opposer, comme nous on a tendance à le faire, plutôt peut-être en France en tout cas, les différentes sensibilités écoféministes. Et je veux bien Donc on va la lire et je voudrais un peu tourner autour de cette définition pendant mon propos. On peut utiliser les connexions femmes-nature comme une position privilégiée pour créer une culture et une politique différentes qui intégreraient des formes de connaissances intuitives, spirituelles et rationnelles, embrassant à la fois la science et la magie, de telle façon à être capable de transformer la distinction nature-culture elle-même et imaginer et créer une société libre et écologique. Je précise que Inestra King, donc, qui est une des féministes, des écoféministes à l'origine des Women's Pentagon Action, n'est absolument pas néo-païenne. Elle se revendique et se présente, je sais pas, comme une écoféministe matérialiste. Voilà. Et c'est elle donc qui propose une première tentative de définition, mais pour moi qui est vraiment une définition programme politique en même temps de ce que pourrait être, de ce que devrait être, ou ce que pourrait être l'écoféministe, dans lequel vous voyez bien qu'il n'y a pas du tout de partage des eaux, on pourrait dire, entre les écoféministes néo-païennes et puis les autres. Au contraire, l'idée, c'est notamment de pouvoir penser une théorie commune à ces différentes écoféministes. Alors, je voudrais en fait m'intéresser à deux choses dans cette définition. Évidemment, revenir sur ces fameuses connexions femmes-nature, à propos desquelles il y a eu la plupart des critiques concernant un essentialisme de l'écoféminisme. Et puis, je voudrais également m'intéresser à cette position privilégiée bien intrigante, à mon sens en tout cas, concernant le rapport qu'elle postule concernant les femmes vis-à-vis de la nature ou de la crise écologique plus largement. Mais avant cela, il me semble que c'est important de dire quand même deux mots, parce que je ne peux pas présupposer que tout le monde en ait entendu parler, de cet écoféminisme néo-païen, ne serait-ce que pour vous donner deux, trois petits points d'entrée aussi sur cette chose-là qui, pour nous, n'est absolument pas courante, fréquente, connue en France. Donc, je vous le disais, c'est seulement une partie des écoféministes de ce mouvement-là qui se disent néo-païennes, que par ailleurs, c'est une partie seulement, encore une fois aussi, de ceux qui pourraient avoir un lien avec une quelconque spiritualité dans ces mouvements-là. Et ces écoféministes néo-païennes appartiennent, mais ne sont pas représentatives, d'un grand mouvement, tout est relatif, d'un mouvement plus large, néo-païen, qui est venu de Grande-Bretagne aux États-Unis dans les années 60, et qui a très largement réinventé, pour le dire rapidement, les traditions spirituelles de l'Europe pré-chrétienne. Or, ce mouvement néo-païen, c'est vraiment une nébuleuse de plein de courants. Il y a maintenant un texte en français, en tout cas, que vous pouvez aller lire, qui rend compte de manière extrêmement claire, précise, de l'ensemble des ramifications de ce mouvement-là.
Et à l'intérieur donc, de cette nébuleuse, il y a un courant qui nous intéresse particulièrement, puisque ce courant-là, c'est celui d'un néopaganisme féministe, qui effectivement honore non pas un dieu ou dieu, mais une déesse, la déesse, hein, et qui se réclame, comme le soulignait tout à l'heure Bénédicte, d'une histoire, on va dire, pré-capitaliste européenne, qui serait liée, qui notamment serait, se singulariserait ou se particulariserait par l'éradication de ces femmes qu'on a appelées sorcières. Alors c'est très étrange et très compliqué pour nous à comprendre, à la fois, on va dire, de se revendiquer et féministe et d'extrême gauche et de pouvoir se dire néo-païen, ça pourrait être quasiment des oxymores pour nous. Mais de la même façon, c'est très compliqué et tout à fait aussi bizarre revendiquer des liens spirituels néo-païens, mais qu'elle revendique très clairement comme des liens totalement pragmatiques et inventés. C'est-à-dire que quand vous allez lire les textes, il faut lire les textes, sinon on ne peut pas discuter sérieusement, quand vous allez lire des textes de ce courant-là néo-païen féministe, elles le disent, Starhawk parmi d'autres, Starhawk c'est une de ces écoféministes néo-païennes, que ce courant-là s'autorise totalement à inventer ses pratiques, à inventer ses traditions, même si en effet elles héritent, voilà, mais de manière extrêmement libre de cette tradition pré-chrétienne européenne. Or, juste un mot dessus, parce que, et après je passerai aux deux autres, aux deux autres points que je voulais vous dire. La critique évidemment principale, après coup, pratiquement plus que pendant, on va revenir sur ce point-là, mais la critique principale qui a été adressée à ces écoféministes néo-païennes, vous vous en doutez très, très certainement, voire vous le partagez, ce serait que toute forme de religion en général, ou en tout cas celle-ci en particulier, ne pourrait pas être un vecteur d'émancipation, mais serait nécessairement, on pourrait dire quasiment par nature, en tant que religion, un instrument d'oppression des femmes. Et c'est un des grands points de discussion de désaccord fondamental, une des grandes critiques, pardon, qui a été apportée à cet écoféminisme européen, en disant, mais enfin, c'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, c'est une des raisons, d'ailleurs, qui justifiait le fait qu'on puisse même mettre en cause leur féminisme. Le fait qu'elle puisse être féministe alors même qu'elle pouvait se réclamer néo-païenne. Pourquoi ? Parce que le fait de pour certaines, je donne des arguments que j'ai lus contre ces écoféministes néo-païennes, parce qu'en revenant à des traditions pré-chrétiennes, c'est une façon de rejeter les Lumières, et on sait bien que les Lumières sont un vecteur d'émancipation universelle, et donc, par définition, c'était une façon d'un retour à l'obscurantisme. Et puis, parce que, encore une fois, par définition, pré-chrétien, pas que pré-chrétien, c'est de la religion, et qui dit religion dit oppression, et certainement pas vecteur d'émancipation. Mais, juste pour alimenter le débat, il s'agit même pas de dire qui a raison, qui a tort, même si je considère que c'est pas une bonne lecture de ce qu'elles peuvent proposer. Il me semble, pourquoi c'est pas une bonne lecture, je vais vous le dire, c'est que ces critiques ne me semblent pas tenir compte justement des dizaines, voire des centaines de pages dans laquelle ce courant-là, je ne suis pas encore en train de parler encore une fois de tout le courant néo-païen, que je connais d'ailleurs pas bien dans son ensemble, je connais ce courant-là, mais est décrite, je vous le disais, comme une recréation, pas simplement comme une réactivation d'une tradition spirituelle passée, donc il n'y a pas de retour en passé. C'est une création contemporaine des années 80. Et que par ailleurs, et surtout, évidemment, c'est le point peut-être principal de discussion, il faut au moins l'entendre avant de pouvoir le critiquer, c'est que cette religion néo-païenne a été inventée, élaborée, imaginée par ces femmes dans l'idée de mettre radicalement en cause l'idéologie patriarcale présente notamment dans la religion chrétienne. Donc on peut encore une fois considérer que ça fonctionne pas ou que c'est pas possible, mais de fait, la façon dont elles-mêmes se réfèrent à cette dimension spirituelle de leur activisme politique, c'est véritablement dans l'idée d'y trouver, je vous le disais tout à l'heure, un point d'appui à une forme d'émancipation. Et de fait, je reviens à sa définition, quand vous relisez cette définition qui a été proposée par une écoféministe non néo-païenne ou matérialiste, athée comme Ines Tracking, il est évident, pardon, que cette
on va dire que cette définition ne considère pas comme rédhibitoire le fait, ce point de divergence de sensibilité pour les unes spirituelles et pour les autres non, face à la construction d'un mouvement et d'une théorie écoféministe plus largement. Alors, le deuxième point, j'en ai deux autres, c'est tout, après je m'arrête. Le deuxième point donc, sur lequel je voulais revenir, et en me servant toujours de cette définition, puisque là c'est pas du tout, c'est très elliptique, c'est juste une allusion, hein, c'est ces fameuses connexions femme-nature auxquelles, dont vous a parlé tout à l'heure Bénédicte en vous présentant une définition de l'écoféminisme. Et là encore, c'est vraiment le deuxième point de grosse critique de l'écoféminisme, à savoir que certaines des écoféministes, voire l'ensemble des écoféministes, ça diverge selon les critiques, auraient eu tendance en effet à tisser des liens d'affinité entre femmes et nature, et reviendraient finalement sur tout le travail critique des féministes notamment, de cette articulation entre les femmes et la nature. Et bien évidemment, vous en doutez que cette critique-là, elle est portée principalement à l'écoféminisme néo-païen, mais sauf que la plupart du temps aussi, souvent, enfin, pas la plupart du temps, mais très régulièrement, on considère que l'écoféminisme, c'est l'écoféminisme néo-païen, donc ça revient au même. Bon. Or, la complexité, évidemment, de la position d'un écoféministe néo-païen tient au fait, on pourrait dire, de chercher à tenir dans le même temps, il faut le tenir, on peut ne pas être d'accord, mais de fait c'est ce qu'elles disent, donc à un moment il faut juste les lire et écouter ce qu'elles racontent, c'est encore une fois, c'est un néo-paganisme féministe, et Starhawk parmi d'autres a toujours dit qu'elle a eu une formation, elle s'est formée, elle a découvert et elle est devenue néo-païenne en même moment qu'elle devenait et qu'elle se formait au féminisme, et pour elle c'est absolument indissociable. Or, ce qui est évidemment extrêmement compliqué dans l'écoféminisme néo-païen, c'est de tenir d'un côté une articulation critique de la destruction de la nature et des rapports de domination entre les sexes, féminisme, la dimension féministe de ce mouvement-là, et d'un autre côté, on va dire, d'élaborer une religion néo-païenne qui, notamment en s'appuyant sur une figure de la déesse, donne l'impression très clairement de passer pour, de rentrer dans une forme d'essentialisation de la féminité et des qualités féminines. Alors, à mon sens, et après moult lectures, etc., il me semble que, enfin, ce que j'aurais envie de dire par rapport à cette accusation d'essentialisme, ce serait quelque chose en deux temps. À savoir que il me semble, en effet, qu'à la lecture de, et encore une fois, je n'ai pas lu du tout tout l'écoféminisme néo-païen, mais j'en ai lu un certain nombre, qu'on ne peut pas ne pas reconnaître une part d'essentialisme, parfois, dans certaines pages d'écoféministes néo-païens. Oui, ok, très bien. Mais qu'en même temps, ça serait aussi inexact de ne pas les reconnaître que de ne pas reconnaître dans l'autre sens qu'il y a énormément d'autres pages qui ne le sont pas et qui le disent explicitement. Je vous donne juste un exemple qui, pour moi, m'a confirmé dans cette interprétation-là, à savoir dans une introduction à une réédition du grand texte d'écoféministes néo-païens de Starhawk qui s'appelle The Spiral Dance. C'est un texte qui date de 1979, donc c'est une réédition, je crois, qui datait là. De 10 ans, une dizaine d'années après, Starhawk raconte et dit explicitement que à cette époque, c'est-à-dire en 1979, quand elle écrit ce texte et qu'elle a même pas 30 ans, elle avait tendance à concevoir de manière réifiée, les qualités féminines et masculines, conception dont elle s'est depuis éloignée. Elle le dit explicitement, c'est-à-dire qu'elle dit explicitement qu'elle a été certainement au début de son élaboration féministe et écoféministe. Pas loin d'attribuer des qualités essentialistes aux hommes et aux femmes d'un côté, mais qu'en même temps, la suite de sa réflexion politique l'en a détaché. Et il me semble que l'on pourrait, à ce titre, facilement admettre une pensée en évolution dans ce mouvement dont on vient de parler, à savoir qu'il s'agit quand même, il ne faut quand même pas tout à fait l'oublier, essentiellement de jeunes femmes de moins de 30 ans dans un contexte de bouillonnement théorique et ultra-activiste, et que oui, on a, en tout cas moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, on a pu toutes considérer revenir sur
soit en considérant qu'on a eu des positions précédentes qui n'étaient pas forcément celles qu'on garderait aujourd'hui, soit qu'on avait des façons de formuler qui ne nous conviennent plus, qu'on trouvait trop simplifiées ou qu'on trouvait un peu maladroites, etc., etc. Donc je pense que ça serait stupide de ne pas le reconnaître qu'il y a, vous avez des pages où c'est écrit noir sur blanc, que voilà, on prête des qualités féminines dans cette écoféministe, et qu'en même temps, il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment pas que ça. Et par ailleurs, deuxième chose sur cette accusation-là, qui, moi, me semble aussi éclairer très largement la façon de comprendre certains textes d'écoféministes, c'est que cette accusation d'essentialisme porte principalement sur les références qui sont faites dans ces textes au corps féminin. À savoir que, et c'est pour moi une des choses les plus intéressantes, enfin une des choses très intéressantes en tout cas dans cet écoféminisme, c'est le fait de considérer qu'il y a une importance politique, psychologique, sociale, émotionnelle, enfin de toutes les dimensions que vous voulez, à réévaluer le corps féminin, à se réapproprier ce corps sur lequel l'essentiel de l'exploitation et de la domination patriarcale s'est fait. Que pour un processus d'émancipation, ce ne sera pas que par un certain nombre de théories et de mots, mais qu'il faudra aussi repenser et revenir sur ce corps. Et que de ce point de vue, on pourrait dire, il est réduire d'une certaine manière ces tentatives, à mon sens, de réappropriation et d'émancipation à une simple essentialisation des qualités féminines, est pour moi un contresens. Maintenant, sur ce point en particulier, je pense qu'une des raisons qui aussi peut nous faire tendre à ne le lire que sous la lumière, on va dire, de l'essentialisme, serait qu'on n'a pas appris, mais nous non plus, à tellement parler du corps dans cette culture qui est une culture très rationnelle et très dématérialisée, pour le dire autrement. Donc elles sont elles-mêmes les premières à essayer de le faire, et elles le font certainement de manière souvent très maladroite, mais que pour autant, il s'agit aussi de savoir de quoi on parle, à quel moment c'est écrit, etc. etc. Alors, dernier point, j'ai encore... j'ai un peu en retard. Dernier point quand même. Donc au lieu d'essentialiser ces liens historiquement construits entre les femmes et la nature, hein, mais aussi, on pourrait dire, au lieu de les rejeter, ce que vous voyez à l'œuvre ici dans cette définition qui me semble tout à fait intéressant, c'est que King propose de les considérer, on pourrait dire, de manière active, de manière dynamique, comme une position privilégiée permettant de construire une culture et une politique différente. Alors de quel point de vue comment comprendre cela? On peut l'entendre c'est comme ça qu'on peut l'entendre dans un premier temps, c'est-à-dire que les femmes auraient un rôle pivot à jouer dans la bataille environnementale que nous avons à mener. Donc évidemment, j'imagine que la première réaction, c'est de dire oui, mais enfin bon, l'essentialisme, il est parti par la porte, il revient par la fenêtre, donc on revient exactement au même point. Dans quelle mesure on ne retombe pas dedans en disant pourquoi les femmes, elles ont un rôle spécifique, c'est en tant que quoi, en tant que femme? Bon. Or, ce qu'elle est en train de dire ici, et c'est vraiment, même d'un point de vue, pour le coup, d'histoire des idées, c'est assez étonnant, c'est que ce rôle spécifique est très clairement à entendre au sens d'une position épistémologique privilégiée qui est liée, on pourrait dire, à la place socialement construite qui est occupée par les femmes dans nos sociétés. Or, vous avez reconnu ici, j'imagine pour certains ou certaines d'entre vous, ce qui s'appelle la théorie du point de vue situé, qui est une grande théorie de philosophie des sciences féministes, qui a été élaborée absolument au même moment, ou quelques années après, en fait, par Donna Haraway et par Sandra Harding, mais qu'on découvre sans surprise que cette réflexion est évidemment présente chez les écoféministes, même si elle n'a pas donné lieu à une théorisation finalement aussi poussée et complexe que chez ces autres philosophes. Alors, de quoi s'agit-il, pour le dire très simplement, cette idée d'un point de vue situé, d'une position épistémologique privilégiée, serait l'idée que, en raison de rapports sociaux dans lesquels les femmes sont inscrites majoritairement dans nos sociétés, c'est-à-dire aussi, on pourrait dire, en raison de leur expérience, même si on peut discuter de ça, ces dernières seraient susceptibles, c'est pas automatique, mais seraient susceptibles, de faire finalement peut-être plus facilement le lien entre rapport de domination de genre, rapport de domination sur la nature, rapport de domination de classe, etc. Je vous cite juste un autre petit extrait de King dans ce même article très intéressant et très important. Pour les écoféministes, les technologies militaires
sont connectés avec le viol, le génocide, l'impérialisme, la famine, l'absence de domicile et l'empoisonnement de l'environnement. Donc, pour le dire, voilà, encore une fois, peut-être très rapidement, ça serait la même culture qui se présente à la fois comme, évidemment, militariste, impérialiste, sexiste et raciste. Et alors, si vous me laissez encore... Oui, quand même, j'ai 3 minutes. Je voudrais dire peut-être encore cela. En tout cas, on comprend ici, à mon sens, que c'est cette idée d'une position privilégiée, c'est une façon de prendre en compte le fait que les femmes se trouvent les premières touchées régulièrement par la crise écologique, et d'expliquer aussi que ce sont, ou de prendre en compte que ce sont aussi souvent les premières qui sont sur le front de ces luttes écologiques, et que finalement faire ces connexions entre les femmes et la nature sous la forme d'une position privilégiée et pas sous la forme d'un essentialisme, c'est une façon d'inviter finalement ces dernières à transformer ces liens qui sont subis en outils de lutte et en outils d'émancipation. Pour conclure, je vous dirai juste un petit point. Comment, alors, quand on a entendu ce que nous a raconté Bénédicte Zitouni sur... cette histoire un peu oubliée de l'émergence de cet écoféministe, comment expliquer finalement un tel écart entre ce mouvement politique très complexe qui a produit un certain nombre de textes quand même, enfin il y a beaucoup de volumes qui sont liés à, qui relèvent de ce mouvement là qui nous donnerait donc la possibilité de connaître véritablement leur position de manière précise, de manière non caricaturale. Comment expliquer l'écart entre donc, ce mouvement-là et puis finalement ce qui nous en est arrivé, notamment peut-être pas qu'en France, mais en tout cas en Europe, en tout cas en France certainement, à savoir qu'en effet, à partir des années 90, donc à la fin finalement de ces mouvements-là, le mouvement politique, ce mouvement politique s'éteint d'une certaine manière, mais il s'éteint historiquement, mais il disparaît aussi des textes. Et des textes notamment académiques pardon, sur l'écoféminisme. C'est-à-dire, c'est pas des blagues, c'est que les noms mêmes de toutes ces écoféministes, Inès Tracking, Gwyn Kirk, etc., disparaissent des textes. Hein. On ne parle que de manière très générale, très abstraite, de l'écoféminisme en général. Hein. Il ne reste finalement que le fameux, dont on n'a pas parlé de manière volontaire jusqu'à présent, le fameux néologisme de Françoise d'Aubonne qui a inventé ce terme d'écoféministe en 1974, mais voilà, qui flotte au milieu de nulle part, sans histoire, sans aucune connexion politique et historique, alors qu'il est tout à fait pris dans cette histoire-là, ce néologisme, puisqu'il a été immédiatement traduit par une théologienne féministe néopaïenne, désolée pour... qui l'a amené dans ce mouvement-là, qui s'appelle Marie Dely, et le vrai début de cette histoire-là, c'est celui que vous a raconté Bénédicte, à savoir que le mot d'écoféminisme rentre dans le lexique politique et théorique, non pas avec ce texte de Françoise d'Aubonne, mais avec la déclaration unitaire des Women's Pentagon Action en 1980. Et je termine vraiment là-dessus, à savoir que peut-être que, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, il me semble que s'il y a un partage à faire, ça ne serait pas entre, d'un côté, des écoféministes obscurantistes, complètement essentialistes, un peu bêtes, ou je ne sais pas quoi, et puis les vraies bonnes écoféministes. Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'en général, sinon, on jette tous les écoféministes. En tout cas, pour moi, il se passerait pas là, le partage. Le partage me semble beaucoup plus réel, même si, pour moi, il ne s'explique pas encore complètement, entre un écoféminisme historique, complexe, qui est ancré dans un mouvement encore plus large, politique et activiste, et puis un écoféminisme académique, et je fais partie de l'académie, complètement abstrait, très largement apolitique, et qui peut-être, à force de vouloir rendre présentable cet écoféminisme, notamment en raison d'une partie de ses affinités spirituelles, a, me semble-t-il, très largement fini par jeter, on va dire, le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Merci beaucoup, Émilie, pour cette brillante analyse. Si je peux me permettre, avant de lancer le débat dans la salle, moi, je voulais dire ce que m'inspire un petit peu l'analyse qu'en fait Émilie. Je pense aux théories décoloniales qui, aujourd'hui, sont plus entendues. Je pense à des théoriciens qui sont des hommes comme Ramon Grossfogel, qui est un latino-américain. Mais
D'autres choses qui sont dites ici aussi dans le contexte français, on l'a entendu la semaine dernière à Créteil, c'est une critique qui est facile à entendre quand on est à la périphérie du monde occidental, quand on est à la périphérie des pays riches comme Ramon Grossvogel, qui demande et propose une critique des sciences modernes, une critique du capitalisme, une critique du patriarcat, et une critique évidemment du mouvement de colonisation du reste du monde opéré par l'Europe occidentale blanche à partir du XVIe siècle. Et on entend cette version Ramon Grossvogel venue de la périphérie du monde riche, mais aussi dans les gens qui se battent contre le racisme et qui donc font revenir les théories décoloniales ici en France. On entend souvent dire le besoin d'articuler, nous l'avons entendu à Créteil la semaine dernière, le besoin d'articuler les problèmes de race, de discrimination raciale, les problèmes de discrimination sexiste et l'écologie et l'anticapitalisme. Il faudrait, et on entend toujours cette injonction, pour que nous puissions vraiment politiser et les problèmes environnementaux et tenir compte de la complexité des oppressions, c'est d'articuler ces quatre choses ensemble, si on met. Et quand j'entends l'analyse d'Émilie, je me dis, dans ces mouvements écoféministes, j'ai l'impression que toutes ces choses sont articulées. Et que quand entendu de la pensée décoloniale, comme celle de Ramon Grossvogel, vous pouvez noter, si vous voulez, c'est très intéressant, oui, c'est ça. Oui, je trouve aussi, je suis d'accord avec vous. Mais vous voyez, quand j'entends ce que vient de dire Émilie H., je me dis que dans les mouvements écoféministes, tout ce qu'ils demandent à être articulé, tout ce dont ils dénoncent, elle n'est pas d'accord, tout à l'heure, tout ce qu'ils dénoncent, et ce qu'ils dénoncent, lui, comme étant le mouvement de colonisation de l'Europe, les deux mouvements de colonisation, que ce soit des Amériques ou ensuite au XVIIIe siècle, il y a eu des génocides, mais il y a eu aussi des épistémicides, c'est-à-dire que la science moderne et le christianisme vont imposer et vont détruire des formes de connaissances qui existaient, qui n'étaient pas la science moderne, mais qui ont existé en Europe aussi avant la science moderne, c'est-à-dire ces sorcières qui ont été génocidées par l'Inquisition, mais de laquelle la science moderne a survécu. La science moderne n'a pas été génocidée ni a été persécutée par l'Inquisition. Je vous proposerai un texte si vous voulez rentrer là-dedans, malgré ce qu'ils disent. Et donc, je suis plutôt très contente d'entendre l'analyse d'Émilie, puisque je voudrais, c'est rigolo d'entendre des hommes dire antiracistes, je suis tout à fait d'accord avec eux, il faut articuler ces luttes. Or, je viens d'entendre que ces luttes ont déjà été articulées, mais elles ont été critiquées, oubliées. Mais ici, en Europe, peut-être, et ici, peut-être, c'est la difficulté à entendre la critique des sciences modernes qui est beaucoup plus facile à critiquer quand on est à la périphérie de ce monde des pays riches, de l'Europe occidentale, puisque nous subissons, quand on est à la périphérie, nous subissons les conséquences de cet épistémicide et des génocides et du capitalisme et de la colonisation et aujourd'hui de la mondialisation. Mais ici, j'en ai fait moi-même l'expérience, c'est la difficulté à entendre la critique des sciences modernes, la critique des systèmes techniciens, difficulté qui se retrouve sur tout l'étendue de l'échiquier politique, à gauche comme à droite, c'est ce que je voulais dire, et surtout à gauche. Enfin, surtout à gauche, c'est plus grave quand c'est à gauche. C'est pas que c'est surtout, mais c'est plus grave, puisqu'on perd une alliance importante, celle de ceux qui analysent et qui critiquent le capitalisme. C'est ce qui se passe quand ils ont refusé d'entendre, par exemple, les causes féministes, quand ils refusent d'entendre les causes antiracistes et quand ils ont refusé d'entendre la critique des sciences et des sciences modernes ou les causes écologistes. Reste pourtant que la gauche détient l'analyse anticapitaliste essentielle pour tout ce que nous sommes en train de dire. Et j'en profite, parce que je vais me taire après, pour signaler l'apparition très prochaine et que nous attendons toutes, et je voulais te demander, Émilie et Bénédicte, ce que vous en pensez, c'est Silvia Federici qui doit se voir traduire un livre où elle va décrire la chasse aux sorcières comme étant justement ce qui a permis au capitalisme de s'enrichir.
Et donc, on revient sur l'analyse de la chasse aux sorcières. Et c'est une marxiste, c'est une analyse marxiste, donc anticapitaliste, mais qui va revenir sur la question justement de la chasse aux sorcières, question qui avait été refusée par la gauche, comme vient de le dire Émilie. Merci. Caliban et la sorcière. À la librairie Les Violettes & Co. Très bien. Ah, super. Super. Voilà. Excusez-moi, madame. Je me permets juste de vous rappeler que le débat est enregistré, donc ce serait important de parler dans le micro, sinon nos auditeurs ne nous entendent pas. D'accord. Ben, si vous me donnez le micro... Ah, je ne sais pas, je ne vous promets rien. Silvia donc Federici, c'est ça, Caliban et la sorcière. Voilà. Hein, je ne la connais pas, mais je suis ravie qu'il y ait quelqu'un qui ait pris en main ou en le gros travail d'exploration de cette histoire des sorcières éradiquées. À quelle époque? Parce qu'il y a eu une époque, il me semble, critique, je me permets la deuxième moitié du Moyen-Âge où il y aurait eu fin du Moyen-Âge où il y aurait eu vraiment un massacre des sorcières dites entre guillemets sorcières européennes assez systématique. Et vous trouvez sur le site d'une revue en ligne qui s'appelle Période, qui est une revue marxiste qui est relativement récente, pour ceux qui sont intéressés par ce livre, une mise en ligne du premier chapitre, je crois, de ce livre. Voilà, pour vous donner envie d'aller le lire. On va se ruer. Alors j'en profite pour parler de juste le titre, Anne-Laura Stoller, La chair de l'Empire. Elle réfléchit beaucoup. C'est une Américaine, une socio-historienne américaine qui a beaucoup réfléchi sur les liens subtils, étroits et profonds entre l'utilisation du corps féminin et la colonisation. Voilà. Et un autre titre, mais je suis sûre que tout le monde le connaît, alors je ne me rappelle plus le prénom, mais je crois que c'est Rosa Maria, je ne suis pas sûre, ou Anna Maria, Plumel Uribe, La férocité blanche. Oui, hein? Rosa Maria. Rosa Maria. Hein? Bon. Pour l'instant, c'est ce qui me vient de plus proche, mais voilà, je laisse. Il y a des questions au fond. Il y a une question au fond. Oui, bonjour. Bah, tout d'abord, bravo. Et c'est juste avant que le débat commence, je voulais juste poser une question. Il y a un concept que je n'ai pas compris et du coup, ça m'a empêché de comprendre une partie de ce que vous dites. C'est celui d'existentialisme. Oui, celui que vous avez parlé. Enfin, je sais que vous l'avez défini au début, mais je n'ai pas très bien compris. Donc, c'est juste si vous pouvez revenir un peu dessus et expliquer. Voilà, merci. Non, je pense que ça serait intéressant, en effet, de revenir sur essentialisme, mais aussi sur féminisme matérialiste. Peut-être ça peut aider. C'est qu'est-ce que le féminisme matérialiste? C'est juste que je n'ai pas compris ce que c'est, et du coup, à chaque fois que vous en parliez, je ne comprenais pas, en fait. Et voilà. On fait qu'on prend une question ou on prend peut-être plusieurs questions? Non, il y en a, parce qu'il y en avait une autre, voilà, qui avait... Et après, on vous... Oui, bonjour. J'ai pas compris, en fait, c'était très intéressant tout ce que vous avez présenté, mais pourquoi le titre Ramener l'écologie à la maison? Parce que là, c'est vrai que ça m'a quand même fait. c'est quand même fait comme drôle de dire ça en parlant de féminisme. Il y a peut-être des raisons. Il y en avait, mais j'ai pas eu le temps de finir. Ouais, mais c'est ça. Je vous remercie. Mais bon, quand on parle, quand c'est dans le titre comme ça. Si c'est pas explicité, quoi, les gens voient le titre, alors tout de suite les machos vont dire ah bon d'accord. C'est vrai, mais en fait je sais pas mes souvenirs c'était quand j'étais dans un groupe de féministes là dans
dans un mouvement écolo. Donc, c'était mes souvenirs dans les années 90. Hein, il y avait des femmes parmi nous qui étaient plutôt essentialistes, d'autres moins. C'est-à-dire, on n'allait pas se disputer là-dessus parce qu'il y avait déjà suffisamment de causes de dispute. Hein, parce qu'en fait, on était, pour antinucléaire, les actions antinucléaires. Après, est-ce que les gens étaient essentialistes ou pas, finalement, c'était pas bien grave. Mais quand on disait ça, quand il y avait des mecs qui disaient, ah oui, par exemple, qui parlaient des féminismes, et le féminisme par rapport à l'écologie, c'était tout de suite, ah oui, vous êtes plus proche de la nature, vous êtes plus proche des animaux, ce genre de discours, quoi. Alors, à la limite, on n'est pas des humaines, quoi. Enfin, je sais pas. Donc, même toutes les femmes, même celles qui étaient plutôt essentialistes, elles avaient une réaction par rapport à ce discours macho, quoi. On était d'accord pour condamner, même si parmi nous, il n'y avait pas de féministes. Je découvre un peu ce que vous avez décrit du féminisme, le néo-païen. C'est vrai que je ne connais pas bien. Il n'y avait pas de femmes qui étaient un peu religieuses comme ça, mais de manière générale, on était toutes d'accord contre les machos, quoi. C'est vrai. Oui, je voulais rajouter que dans les mouvements féministes, il y avait par exemple la Ligue des femmes pour la paix et la liberté. Il y avait un côté un petit peu aussi essentialiste, parce que, disons, les femmes qui combattent pour la paix, les femmes sont plus pour la paix. Et puis actuellement, bon, par exemple, la marche des femmes, quand on voit la marche des femmes, le mouvement, donc c'est vrai qu'on retrouve un peu ce côté essentialiste, même si ce n'est pas vraiment religieux, quoi. Voilà. On peut peut-être répondre à l'essentialisme pour qu'on puisse continuer. Oui, je vais répondre aux deux questions qui ont été posées. Je reviens en fait sur ce que Lia avait commencé à dire. Quand vous l'avez réutilisé à nouveau, ce terme d'essentialisme, en fait, ça vient du terme d'essence, et ça serait l'idée que l'essence des femmes serait la même ou extrêmement proche de celle de la nature, contrairement à celle des hommes, pour le dire extrêmement rapidement, à savoir que si pendant toute une très longue période historique, on aurait pu justifier un certain nombre de rapports de domination à l'égard des femmes en raison de leur proximité avec la nature, parce que les femmes procréent comme la nature et procréent, comme les femmes sont nourricières, comme la nature nous nourrit, etc. Ce qu'on a pu reprocher à certaines écoféministes, c'est au lieu de chercher à critiquer, à déconstruire ce lien-là, en considérant qu'on n'est pas plus proche de la nature que les hommes, ce sont des rapports sociaux construits, etc., elles auraient d'une certaine manière valorisé, mais finalement en conservant cet essentialisme, certaines de ces qualités-là, et que ce serait au nom de cette proximité supposée des femmes avec la nature que ces dernières seraient très largement engagées du côté des luttes environnementales, et non pas du fait que, en raison de ces rapports de domination, on le sait, on a plein de chiffres, qui le prouve, que ce sont les premières à être exposées aux différentes nuisances environnementales, et que de fait aussi, comme par hasard, et c'est lié évidemment, ce seraient les premières souvent aussi à se mobiliser contre ces différentes nuisances et les différents conflits qui peuvent être générés. Est-ce que je peux rajouter un commentaire sur l'essentialisme, juste pour l'essentialisme aussi, cette tentative d'expliquer les différences entre les groupes sociaux par des théories biologiques. Nicole Claude Mathieu, qui était une féministe matérialiste, mais qui a aussi travaillé sur le racisme, raconte comment la biologie a servi pour justifier le racisme. C'est-à-dire qu'on va expliquer, Marx aussi est le premier à dénaturaliser les rapports sociaux, hein. C'est-à-dire que la théorie biologique, ou se servir de la biologie pour expliquer pourquoi les pauvres sont pauvres, pourquoi les riches sont riches, la théorie libérale, grosso modo, prône que que nous sommes comme les animaux, comme de la théorie évolutionniste de Darwin, ce que Darwin n'a pas dit du tout sur les êtres humains, mais la théorie libérale reprend la théorie évolutionniste de Darwin pour dire il y a des adaptations à l'environnement, et ceux qui s'adaptent le mieux à l'environnement s'en sortiront mieux, seront gagnants, et les autres, s'ils ne s'adaptent pas, ils perdent. Et on transpose ça à l'humanité en disant donc ceux qui s'enrichissent, ils se sont mieux adaptés à l'environnement, tout simplement, ils sont meilleurs, ils sont supérieurs, et ceux qui sont exploités, qui sont opprimés, qui restent pauvres,
Eh bien, tout simplement, n'ont pas su prendre le train de la compétitivité, non, ce n'est pas compétitif, n'ont pas su s'adapter à l'environnement, donc sont des perdants et finiront par être éliminés, si dans les théories de l'évolution des animaux, c'est comme ça. L'essentialisme vogue dans ce type d'explication qui naturalise, et c'est ce que je disais au départ, quand on dit l'humanité s'est attaquée à la nature, c'est aussi une forme de cacher les rapports sociaux de pouvoir. Et l'inverse de l'essentialisme serait la théorie matérialiste inspirée de la théorie marxiste qui dit qu'il y a des rapports sociaux de pouvoir. Il n'y a pas une humanité qui a détérioré la nature. Il y a des rapports sociaux de pouvoir qui se sont construits en même temps que l'environnement. Ceux qui sont venus depuis les premières conférences des Mardis de l'eau, nous avons vu comment la colonisation tient un discours naturaliste sur les colonies, mais a reconstruit l'environnement des colonies, s'est approprié de leurs terres, donc elle construit, ce sont des rapports sociaux de pouvoir. Est-ce que ça facilite la compréhension un petit peu entre essentialisme et théorie matérialiste, peut-être, je ne sais pas si tu veux. Moi, je voudrais juste rajouter une chose par rapport aux machos, aux machistes qui font ce rapprochement-là. Moi, je trouve que les écoféministes au début des années 80, ces militantes qui se sont vues affublées de cette critique-là, ont eu une réponse assez intéressante en disant « retournons la question, parlons-en justement de ces animaux, de ces ressources naturelles, de la façon dont on a saccagé, etc. » Elle rajoutait une chose à ça, c'est à force de toujours dire « Ah, mais non, mais nous, non, rien à voir, nous, rien à voir, on n'a plus d'alliance. » Et je crois que le mot maître de ce que moi j'ai vu dans ces mouvements-là, c'est leur capacité incroyable à créer des alliances. Donc, alliance par rapport à ces ravages écologiques, alliance par rapport à la nature, ben pourquoi pas, allons-y. Et donc, je crois que ce qu'il faut bien tenir à l'œil, c'est deux choses. C'est qu'elles ont réalisé un plan de problématisation à travers leurs actions, ou actualisé, ben exactement ce que tu disais, c'est très très large, avec l'idée de « c'est depuis le XVIe siècle que rien ne va plus et tout est en cause ». Tant le productivisme, capitalisme, scientisme et chrétienté, et tout ça fait partie d'un capitalisme patriarcal, scientiste, etc. Ce qui leur permettait, ce plan de problématisation-là, de créer des alliances et de dire, bon, vous, c'est plutôt ça qui vous importe, allons-y, Native Americans, allons-y. Donc, pourquoi pas retourner cette question du rapprochement et dire, mais ce rapprochement-là, là où vous pensez vous nous cadenasser, mais nous, on va le prendre comme une possibilité d'alliance et de connexion pour qu'on puisse justement agir. Parce que le problème, c'est que, et ça, moi, ça m'a étonnée quand j'ai vu ces camps fonctionner, ce côtoie-là, des anarchistes, des marxistes radicales, je ne sais quoi, des lesbiennes, des quakers, des néo-païennes. C'est incroyable ce qu'elles réussissent à faire au nom justement de maintenant il faut problématiser de telle façon à ce que des alliances puissent se faire et à la limite on se cache plus derrière, on ne va pas se réfracter dès qu'on nous accuse de rapprochement. Ben, rapprochons, allons-y. Deuxième chose juste, et ça c'est beaucoup plus court, une chose que j'ai appris d'elle aussi, c'est qu'elles ont dit, on nous a coupé toutes. En fait, on nous a, dans cette pacifisation, enfin, donc quand on nous a rendu passifs, les laissés pour compte de tout ce qui s'est passé à partir du XVIe siècle, chacun est un peu de son côté. Il faut réessayer de se reconnecter, ça veut aussi dire essayer de retrouver, bon, désolé, mais c'est comme ça qu'elles le disent, a love for, un amour pour. Premièrement, lesbianisme, ça a été très très important pour ces mouvements, on n'en a pas parlé, mais sans les lesbiennes, je crois qu'il y aurait eu, non, pas le Pentagon Action, ça certainement pas, et Greenham Common, pas non plus, puisqu'elles ont dit, on a appris en tant que femmes à même se haïr nous-mêmes.
Et le premier pas, c'est de reconnecter et à cet amour des femmes pour les femmes. Et c'est un des pas premiers du féminisme. Bon, c'est très corporel à nouveau. Donc, bon, moi, je trouve ça très, très intéressant. Et la même chose pour la nature. Intéressons-nous à ces ressources naturelles, à ces paysages, à ces animaux, à ces espèces, etc., qui sont en guise d'extinction. On nous a appris à nous désintéresser de tout ça. Donc voilà, pas trop vite dire il y a rapprochement, donc oh là là, attention. Ben oui, parlons-en de ce rapprochement, justement. Et si je peux répondre à la question qui était posée sur le titre, j'en profite, je me glisse là, parce qu'en fait, ça évidemment rejoint exactement ce que vient de dire Bénédicte. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai souhaité ce titre complètement... trouver l'adjectif qui vous convient, justement, pénible, voilà, déplacé, pas du tout voilà, adéquat, etc. Et il me semblait que, enfin, en tout cas, la raison principale est exactement ce que tu viens de dire, à savoir... Bon, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer déjà d'où elle vient, vous allez comprendre. C'est une formule que j'ai empruntée à une sociologue américaine qui s'appelle Giovanna Di Chiro, qu'elle a utilisée dans un article récent. Il ne s'agit pas de réduire tout ce qu'elle raconte à ça, mais à un moment donné, elle a utilisé cette expression, cette formule-là, non pas pour les écoféministes de ces mouvements-là, mais pour qualifier ce qu'était en train de faire un mouvement contemporain et parallèle, et qui a évidemment croisé ce mouvement d'écoféministe, qui est le mouvement de justice environnementale. Et j'ai été le chercher, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous dis un mot très rapidement sur ce mouvement de justice environnementale. Ce sont des mouvements qui ne se revendiquent pas féministes, qui sont des mouvements dont l'immense majorité des personnes qui le composent sont des femmes, comme par hasard. Et il s'est constitué principalement, lui, autour de scandales sanitaires aux États-Unis, industriels, qui se sont succédés au cours de toutes les années dont on a parlé là, à savoir des années 75, 76 à 90. Il y a une liste impressionnante de scandales industriels aux États-Unis, en passant par celui qui est connu, dont vous avez vu l'inscription sur une des pierres tombales, qui était Love Canal. Mais il y en a d'autres, il y a la vallée du cancer, enfin, il y en a plein qui ont à chaque fois des noms tout à fait sympathiques, et dans lesquels, en fait, à chaque fois, s'est révélé un lien très fort entre pauvreté et inégalité face aux nuisances environnementales. Donc ce mouvement-là, qui ne se revendique pas féministe, mais qui est principalement composé de femmes, puisque ce sont elles qui l'ont subi en premier, s'est très largement intéressé à creuser, à rendre visibles les liens, on pourrait dire les rapports, l'articulation entre rapports sociaux, les rapports de classe et les questions environnementales d'un côté, et d'autre part les rapports, la question du racisme et la question de la crise environnementale, puisque quand on voilà les plus pauvres des plus pauvres, ça serait peut-être des femmes de couleur, voilà. Bon. Or, je vous le disais, si ce n'est pas un mouvement féministe, pour autant, chaque fois que vous allez lire des histoires qui sont absolument incroyables, des récits de ces mobilisations, chacun des textes insiste sur le rôle absolument central de ces femmes, de femmes qui sont souvent, dans un premier temps, pas écologistes, qui sont aussi souvent, dans un moment, pas du tout féministes, et qui, au cours de ces mobilisations, pour lesquelles elles n'ont absolument pas le choix, parce qu'il s'agit de la rivière polluée à côté de chez elles, et que leur enfant a la polio, que leur enfant est en train de mourir, etc., elles vont, dans un processus de politisation, s'émanciper, devenir féministes, devenir écologistes. Or, évidemment, quand Di Chiro propose de désigner ce mouvement par cette formule-là, elle joue évidemment avec les préjugés machistes, à savoir que c'était souvent plus des femmes qui étaient mères au foyer, qui ne sont pas écolo, qui ne sont même pas féministes, et qui vont ramener l'écologie à la maison. Bon, on a le pire du pire, quoi. Or, peut-être que la façon de l'entendre, et c'est les raisons pour lesquelles j'étais cherchée pour deux raisons. D'une part, parce que dire que l'écoféminisme, ça serait ramener l'écologie, pas la nature, mais l'écologie à la maison, c'est essayer de faire entendre, c'est essayer de faire sentir, en tout cas moi c'est ce que j'ai lu dans ce texte de Di Chiro, que les enjeux environnementaux ne sont pas du tout extérieurs, ne sont pas abstraits, mais sont bien au contraire justement liés à toutes les autres dimensions de la vie, que sont les questions des rapports de sexe, les rapports de race et les rapports de classe. Et que l'écologie, finalement, dit-elle, je cite ici Di Chiro, se loge dans la géographie de tous les jours, dans les lieux où l'on vit, dans les lieux où l'on travaille, où l'on apprend, et dit-elle, et c'est bien américaine évidemment, où l'on prie.
Autrement dit aussi, c'est une façon évidemment de réarticuler privé et politique. Mais la raison pour laquelle j'étais cherchée ici, c'est principalement justement pour cette, on pourrait dire, pour cette dimension provocatrice, au sens où, enfin, en tout cas cette dimension-là qui est provocatrice, qui peut mettre mal à l'aise et qui surtout force à réfléchir, m'intéresse puisque c'est peut-être une façon aussi de nous dire, quand elle va l'utiliser, c'est en héritant que je l'ai reprise, qu'on ne se protégera pas des critiques à l'égard de l'écoféminisme ou du mouvement de justice environnementale en cherchant à le rendre présentable, mais plutôt en essayant de le comprendre réellement, de prendre les risques et aussi évidemment en gardant un certain sens de l'humour. Voilà. Oui, il y a des questions derrière. Excusez-moi, il y a encore deux questions derrière. Merci. J'ai été également très intéressé par vos présentations. Même si je dois dire que parfois l'exercice d'exégèse de textes qui sont à la fois datés et qui sont ancrés ailleurs m'ont un peu perdu, même si je comprends leur utilité d'un point de vue théorique, je me dis qu'il faut. Il m'a manqué l'ancrage dans le ici et maintenant pour que ça fasse écho à un référentiel peut-être plus familier. J'avais envie de commencer ma question en disant et Notre-Dame-des-Landes dans tout ça, quoi. Mais je m'explique. Dans les présentations, notamment celle de Bénédicte, j'ai vu vivre des formes de lutte qui ont d'abord fait écho, si je dois chercher des parallèles dans l'histoire d'aujourd'hui, à ce qui se cherche, ce qui cherche à inventer, dans ce qui s'invente du point de vue de la résistance, du point de vue du dépassement des formes sociales traditionnelles, du point de vue de la... De la mise en œuvre d'alternatives concrètes comme réponse aux dominations actuelles. Et donc, d'une certaine façon, ça fait surtout écho pour moi, si je dois regarder dans la France d'aujourd'hui ou dans l'Europe d'aujourd'hui, au mouvement des indignés, ou peut-être plus encore dans Notre-Dame-des-Landes, ou du point de vue de la recherche d'alliances, d'entités extrêmement diverses, il y a des choses qui font écho. Alors évidemment, c'est quand... Notre-Dame-des-Landes ou les indignés, on n'est pas dans le féminisme, on n'est pas dans l'écologie, on n'est pas dans l'écoféminisme. Donc, est-ce que on est dans tout ça? Voilà. Non, mais ce sont des mouvements qui sont porteurs de tout ça. Mais est-ce que vous pourriez tirer le fil avec un référentiel peut-être plus familier à nos yeux et à nos oreilles, qui nous permet de comprendre où on en est aujourd'hui dans l'articulation entre féminisme et écologie? Moi, j'ai des exemples en tête qui sont encore ailleurs. Alors, je vois bien qu'il se passe des choses en Inde, par exemple, avec des femmes, et on n'est pas dans l'essentialisme, je pense. On est dans la spécificité des femmes par la position sociale qui leur a été assignée, qui fait qu'on a des femmes qui sont leaders de mouvements pour aider les agriculteurs à construire des alternatives aux politiques dominatrices de Monsanto et compagnie. Vandana Shiva en est une belle figure. Je crois que c'est vous, Emiliage, qui nous en aviez parlé il y a quelques années au Festival de l'eau. Mais dans un référentiel plus familier et plus local et plus actuel, est-ce que vous auriez des choses à nous dire qui nous font écho? Voilà. Il y avait une question aussi là. Non, mais il y avait une question de France. Il y a Alternativa Île-de-France qui va bientôt avoir lieu en septembre et qui se prépare activement entre Montreuil, enfin un peu partout. Voilà. Il y a des chercheurs comme un certain Noël Birch qui est prof de cinéma à Lille. Et sa complice Geneviève Cellier, qui sont des grands écoféministes du cinéma, tous les deux. Et il y a un certain Jean-Marie Delassu, qui est médecin, mais depuis longtemps à la retraite, mais qui prend pas sa retraite du tout. Et là, je trouve que là, il y a un fil magnifique à capturer, dont il faut s'emparer, et qui a fait un travail extraordinaire sur, et là on pourrait rejoindre l'expression d'Émilie, puisque c'est bring home ecology, ramener l'écologie à la maison, c'est la traduction mot à mot, bring home qui veut dire en fait s'approprier l'écologie, c'est ça, et
Et en fait, si on reste dans le mot à mot, ramener à la maison, mais ramener aussi au nid. Et ce Jean-Marie Delassus a fait un boulot avec d'autres complices femmes. Ils sont tout un groupe qui ont fondé la maternologie française. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la maternologie. On n'en parle jamais. Et pourtant, voilà, ils ont fait un boulot. Le livre synthèse, ça pourrait être... c'est révolutionnaire, en fait, ça, ce livre synthèse, ce qu'il dit. Il s'intitule bizarrement « Psychanalyse de la naissance ». Mais c'est Delassus dit j'avais pas de mots pour dire ce que j'avais trouvé, donc j'ai utilisé des mots que tout le monde comprend, mais qui correspondent pas du tout à ce qui sont tellement en deçà de ce que j'ai voulu montrer. Merci. On va prendre encore une question. Et dans ce livre, il est question, je dis ce qu'il y a dans ce bouquin, c'est pas à peine de vous parler d'un bouquin si je ne dis pas ce qu'il y a dedans. Il y est question de la fabrication de l'esprit. Mais on rejoint ce dont vous parlez, la spiritualité, le néo-païen, le matérialisme. Il y est question de la fabrication de l'esprit, et devinez chez qui ? Pas chez l'animal, pas chez l'adulte, pas chez la bonne femme, ni chez le bonhomme. Chez le petit fœtus humain. Merci. C'était pour toi. Il y a une question. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir, et la question s'adresse soit à vous sur l'estrade, soit aux personnes finalement dans la salle qui ont pu participer à des mouvements à un moment qui se sont rapprochés de l'écoféminisme ou qui l'ont assumé pleinement. J'aimerais savoir s'il a existé, si ces mouvements ont eu des revendications, ce qu'on pourrait appeler des revendications spécifiquement écoféministes. Puisque dans les présentations qui ont été faites, on retire plus l'idée qu'il y a eu des écoféministes et qui se sont mobilisés sur des causes, que ce soit une cause pacifiste, une cause antinucléaire, peut-être des causes des mouvements de justice environnementale. Mais est-ce que ça a été plus loin ? C'est-à-dire, est-ce que ça a permis l'émergence de revendications spécifiques ? Ou est-ce que pas du tout ? Et quelque part, ce serait un contresens d'attendre de leur part des revendications spécifiques, et c'était plutôt des groupes affinitaires, des sensibilités politiques qui se sont retrouvées dans les mouvements de gauche anticapitalistes, antimilitaristes de leur époque. Mais j'ai une hésitation en fait sur comment les situer en fait finalement politiquement sur leur type d'action. Et connexe à ça, j'aimerais savoir si les mouvements écoféministes ont été uniquement anglo-saxons, ou est-ce qu'il a existé des mouvements, ou il existe toujours des mouvements écoféministes en Amérique latine, je ne sais pas, quand on pense à la Pachamama, Soumakaoussaï, etc. Est-ce que ça a donné naissance à des mouvements écoféministes en Inde, Vandana Shiva, etc. Ou est-ce que non, on est sur quelque chose de plus spécifique ? Merci. Oui, moi j'ai... Il y a des liens, donc je vais répondre un peu en général. Donc, je crois que Notre-Dame-des-Landes, moi, ça a attiré mon attention et j'ai effectivement fait le lien avec ma recherche en cours à ce moment-là. Et le lien que je faisais, c'était celui des alliances contre nature, qui ça m'avait aussi frappé à ce moment-là, et notamment avec les agriculteurs du coin. Je ne connais pas assez bien pour élaborer plus, mais c'est certain que si je voyais un lien, c'était ça. Et le côté sortir des formes traditionnelles de politique et enfin, tout ce que vous avez dit. S'il y a quelque chose qu'on pourrait souhaiter et dont on pourrait hériter quand on lit ou on découvre ces luttes-là, c'est un élément sur lequel a beaucoup insisté Émilie, c'est le côté pragmatique et inventé de tout ce qu'ils mettent en avant. Donc, que ce soit DS, procédures, autres actions, etc., elles ne se sont jamais vraiment trompées là-dessus. Tant que ça permet de résister, tant que ça permet de continuer,
quelque part, tout était bon. Et donc, c'est une sorte de comment continuer à nourrir l'inventivité politique, justement pour faire tenir tous ces groupes ensemble et pour continuer à élargir la base d'alliance, puisque sinon, épuisement, c'est évident que ça pourrait avoir lieu. Moi, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais ramener quand j'écris des textes autour de ces luttes-là, c'est pour nourrir éventuellement d'autres luttes aujourd'hui, mais voilà, on n'a pas eu le temps. Il y a sur le côté spécifiquement écoféministe, et là je serais très intéressée d'avoir ton avis aussi, parce que j'ai un doute, moi-même. Quand je les lis, j'ai l'impression que la spécificité, c'est l'articulation. Alors, désolée de tourner en rond, mais c'est vraiment ça qui fait leur force. Et donc, à chaque fois, elles ne sont satisfaites d'une revendication, quelle qu'elle soit, par rapport à nous voulons réapproprier ces terres, ou nous voulons ceci par rapport à telle base, etc., etc. Elles ne sont satisfaites que quand il y a articulation d'énormément de choses à la fois. Et c'est à cela que moi, j'ai reconnu l'écoféminisme. Et c'est à partir de ça, d'ailleurs, qu'on a commencé à dire, ah tiens, il y a quelque chose qui émerge. Il y a peut-être aussi la façon de mener l'action. Et Ines Strachin parle à un certain moment de libidinal politics, le côté assez libidinal de cette façon d'agir. Si on ne s'amuse pas, ça ne vaut pas le coup. Et je crois que là-dessus, il y a quand même des choses à apprendre d'ailleurs, mais c'est ça la spécificité. Et donc, revendication spécifique, ça devient compliqué. Ça dépend alors de ce qu'on veut dire par spécifique. Alors, par ailleurs, est-ce qu'il y en a d'autres? Effectivement, nous, on a maintenant beaucoup parlé du côté anglo-saxon. Et quand on dit ben, « ça s'est éteint années 90 », je dirais qu'à la limite, le flambeau est parti vers justement Vandana Shiva, l'Asie. Quand on connaît, quand on parle des actions, quand je parle vraiment des actions politiques à proprement parler écoféministes, c'est plutôt de ce côté-là qu'il y a eu des choses qui se revendiquaient comme telles, et ça n'a pas cessé. Donc le site que je vous ai montré, Women for Life on Earth, on sent qu'il y a énormément de liens vers l'Asie et vers l'Allemagne. Bon, et après, j'en sais pas plus. Mais donc, ça. Oui, absolument. Elle est l'auteur d'un livre, Écoféminisme. Oui. Hein, je crois que c'est elle qui a rendu, à la limite, en termes d'action politique, c'est tout ce qu'elle a amené dans les Philippines, permaculture, etc. Tout ce qu'elle a amené, c'est plutôt ça qu'on connaît, plutôt que ce qu'on a. Oui, c'était pour ça d'ailleurs qu'on n'en avait pas parlé. Ici. C'était pas parce qu'elle ne l'était pas, c'est que. Mais, enfin, voilà. Pour parler un peu d'autres gens et d'autres mouvements que, voilà, que Vandana Shiva, alors que quand on. C'est voilà, une des seules figures, voire la seule figure qui est. Madame, je ne sais plus son prénom, Matai. Oui, voilà, bon, voilà. Ouais. Donc on cite à chaque fois, écoféministe, Vandana Shiva, voilà. Et c'est très important, mais ce n'est pas les seuls, et on avait juste envie de restituer pour une fois. L'origine, enfin, l'émergence de ce mouvement-là, mais bien sûr que Vandana Shiva l'est, et qu'il y a eu tout un débat autour d'elle, avec elle, avec une sociologue allemande, notamment Maria Mies, concernant justement la possibilité d'alliance à nouveau entre écoféministe matérialiste et écoféministe néo-païenne. Ou elle n'est pas néo-païenne, mais ayant justement, allant ancrer leur forme de revendication et d'émancipation dans des formes spirituelles et de religion. De l'histoire de la montagne du Kilimandjaro a pu susciter l'énergie de tout un peuple pour aller reboiser avec des milliers d'arbres parce que justement on était allé retrouver le fameux dieu de la forêt de cette montagne. Voilà. Donc l'écoféminisme, il est presque, on peut presque dire, naturel aux femmes qui n'ont jamais fait ni d'écologie, ni été féministes. Alors, on va prendre une dernière question, parce qu'on s'approche vraiment de l'heure fatidique de devoir arrêter. Donc, une dernière question, je vois un doigt qui se lève. C'est la dernière.
j'ai le micro, mais c'est pas forcément bien que ça soit un homme qui close, mais bon, bref. L'avant-dernière question. Je parlerai après. Bon. C'est une question qui m'est venue par rapport aux deux premières expériences évoquées, mais ça ne veut pas dire que la question s'adresse qu'à Bénédicte Zioudi, bien sûr. C'est la question, c'est cette vieille question encore vivace aujourd'hui de la non-mixité. Sur le premier mouvement, je me suis dit, tiens, 2000 femmes, super, mais c'était sur une journée. Après, sur Greenham, je me dis, est-ce qu'elles ont réussi à tenir en non-mixité pendant 19 ans et comment elles ont posé ça par rapport aux hommes de bonne volonté qui voulaient les occuper avec elles, et aussi par rapport à elles-mêmes, quand elles se retrouvaient à deux ou trois, j'imagine que c'est arrivé. Et donc la question plus générale, c'est, dans ce mouvement particulier de l'écoféminisme, et éventuellement aussi dans le féminisme néo-païen, et ses créations de rituels, comment la non-mixité a été posée, et est-ce que, en termes d'empowerment, de puissance agir des femmes, quoi, voilà. Ben, pour Greenham Common, il y a eu un débat au tout début. Quand elles sont arrivées, elles se sont relayées plutôt entre femmes. Puis sont arrivés les premiers hommes et puis a éclaté le débat. Et puis ça a pris, je ne pourrais pas dire, mais elles en ont discuté. Il y a eu une phase très très courte de mixité et elles ont décidé de commun accord, plus ou moins, que ça allait être un camp de femmes. Et il y a d'ailleurs énormément de camps de femmes qui ont eu lieu après coup, une dizaine en Europe et une dizaine aux États-Unis, tous des camps de femmes. Alors, l'argument qu'on trouve tourne toujours autour un peu de la même chose, et il faudrait y rajouter un argument plus organisationnel, mais l'argument est vraiment, nous avons été dessaisis de nos capacités d'agir dans les groupes politiques. Très souvent, c'est nous qui faisons toutes les tâches marginales, etc. Il est temps qu'on se ressaisisse de ces rôles-là. C'est un argument très classique, mais c'est celui-là vraiment qui semble l'avoir emporté quand on lit les PV de ce qui s'est discuté à ce moment-là. Un deuxième argument que je voudrais rajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je crois que c'est un élément très important, quand je parlais des groupes d'affinité, ces groupes d'affinité n'étaient pas nécessairement que composés de femmes, et ces groupes pouvaient être mixtes et donc pouvaient contenir des hommes qui, tout groupe d'affinité a toujours une partie, donc c'est classique, une partie sur le front et une partie de soutien. Et donc les hommes ont joué le rôle là de soutien, et ça a été assez important évidemment puisqu'il fallait ravitailler, etc. Donc les hommes venaient et repartait, venait et repartait, et faisait aussi tout le contact par rapport aux médias si c'était nécessaire. Mais donc, sur le site lui-même, il n'y a pas eu d'hommes. En revanche, concernant, vous posez la question aussi pour les écoféministes néo-païennes, on a parlé et on a voulu vraiment se concentrer sur ce moment-là, mais certaines d'entre vous le savent peut-être que les écoféministes ce mouvement-là s'est arrêté dans les années 90, mais ensuite elles ont notamment participé très largement participé au mouvement altermondialiste. Elles étaient là, elles étaient présentes à Seattle, et où il y avait évidemment des hommes et des femmes, et dans les différentes actions liées ou pas, mais très largement à des rituels que proposaient les écoféministes néo-païennes, c'est explicitement dit dans les textes de Starwalk, c'était ouvert, et que c'est ouvert absolument aux hommes et aux femmes. Donc c'est à des moments spécifiques pour certaines actions, dans certains moments où il y a eu une non-mixité, mais qui n'est pas une définition même de la tradition, en tout cas la tradition néo-païenne féministe qui fait partie de ces mouvements activistes. On va s'arrêter là, et je veux remercier encore une fois la BPI d'avoir organisé ce cycle, Émilie Hache de l'avoir conçu et de nous avoir invités, nous, l'Université populaire, et Bénédicte aussi de venir avec son brillant exposé, et bien sûr vous tous qui nous posez des questions et qui venez assister à ces conférences. Applaudissons-nous tous. Mais aussi les traductrices. Et l'association Cœur de Main qui est venue quand même et qui nous permet d'avoir la traduction, c'est grâce à vous. Et je voulais juste ajouter, donc nous aussi, nous vous remercions au nom de la BPI, nous remercions les intervenantes, Émilie H. et Sylvie Astry qui ont conçu le cycle
donc, dont nous avons eu une conférence ce soir. Vous pourrez retrouver le débat de ce soir dans les archives sonores de la BPI sur le site www.bpi.fr. Vous les trouverez également sur le site de France Culture Plus. Et je vous donne rendez-vous le 2 juin pour le troisième et dernier débat de ce cycle. Merci à tous d'être venus. Bonsoir. Le thème du 2 juin sera sur la justice environnementale.